Attention, pour commencer cette vidéo, je voudrais commencer par vous dire de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Par exemple, ce frisbee, tout à fait normal, c'est juste un frisbee qui peut se transformer en purée de Ninja Star. Donc, bonjour tout le monde, c'est Insider. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette belle Ninja Star qui se transforme en frisbee. Donc, nous allons voir d'abord la force du frisbee pour le lancer. Donc le frisbee, il faut juste étirer les côtés comme vous avez vu. Donc le frisbee, sa force, c'est est quand même bonne, vraiment bonne. Maintenant voyons la Ninja Star, quand même assez bonne aussi. Donc maintenant je vais aller vous montrer comment faire ces Ninja Stars. Voilà. Donc, pour commencer, vous avez besoin d'une feuille de papier. Normal. N'importe quelle forme. Donc, vous le pliez en deux. Pour faire en sorte, comme ça, de gauche à droite. Pour faire en sorte que le côté que vous ne pouvez pas ouvrir soit vers la gauche. Comme ceci. Vous le pliez en deux. Voilà. Vous le dépliez. Faites un pli comme ça, vous le dépliez, vous ouvrez le tout. Vous pliez le coin ici. Vous pliez l'autre coin, comme ceci, pour que ça va donner comme un avion en papier, comme ça, aller plier, puis faire des formes. Et après ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez la partie du bas, prenez un côté, ici, vous l'apportez au milieu, comme ceci, admettons. Vous repliez l'autre côté pour que ça vous donne ceci, un parallélogramme qui va constituer une des parties de notre Ninja Star. Donc vous avez besoin de 8 autres parties comme ceci, comme ceci. Attendez. Voilà. Voilà, donc vous allez en avoir 8. Voilà. Vous en prenez un. Vous en prenez un autre. Vous faites en sorte que les deux s'emboîtent pour que, quand vous regardez, il y a un petit parallélogramme ici. Vous prenez les deux pointes ici, vous le pliez vers le milieu. Avec les deux. Vous ne prenez pas les deux pointes en même temps. Maintenant, vous faites ici avec toutes les autres pièces. Et puis, comme vous êtes chanceux de m'avoir, il ne va avoir aucun accéléré. Bouah, oh, oh, que je suis méchant. Non, en fait, si je vous fais suivre ça, c'est pour vous donner quelques astuces pendant qu'on le fait. Comme cette astuce-ci. Quand vous êtes rendu au troisième, quand vous avez terminé le troisième, vous pouvez replier comme ça. Que ce soit plus facile pour faire les suivantes. Cette astuce est très 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 utile. Parce qu'à la fin, c'est un peu plus dur. Vous allez voir. Maintenant, vous faites ceci, comme je viens de le dire, avec toutes les parts. Ici. Puis là, maintenant, à fur et à mesure, vous pliez la partie. Donc ça, c'est rendu au quatrième. 5e. Comme ceci. On continue l'astuce. On met celle-là en bas. On va essayer de faire la même chose à chaque fois. Donc, quand vous êtes rendu à celui-ci, ça va devenir un peu plus dur après quand vous arrêtez juste deux. Parce qu'il va avoir ce bout-ci qui va un peu être dans le chemin. Voilà. Plus que deux, les amis. Plus que deux.
C'est la partie la plus poche de la vidéo. Je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Vous allez devoir me subir encore quelques temps. Ceci. Maintenant, comme vous voyez, elles sont un peu gênées par ceci, donc mettez-le vers vous. Continuez comme si rien n'était. Comme ceci. Maintenant, quand il vous en reste plus, vraiment aucun, faut que vous fassiez comme ceci. Vous êtes rendu comme ceci. Un genre d'anneau un peu raté à cause de ce côté-ci. Vous pliez cette partie-ci et vous mettez celle-là au milieu. Comme si rien n'était. Puis, vous pliez les deux côtés comme si de rien n'était. Encore une fois, comme si c'était une nouvelle partie que vous rajoutiez. Mais, c'est la même partie. Donc voilà, la vidéo n'est pas terminée. Vous pouvez la quitter maintenant si vous voulez. Donc si vous la quittez maintenant, je vous dis abonnez-vous, laissez un like si vous aimez la vidéo. Mais si vous ne quittez pas, je vais vous montrer quelques petites techniques. D'abord, la technique du carré. Une sorte de shuriken ninja avec un carré au milieu. Wouh! Quand même beau. Après ça, si je réussis à le reproduire, j'ai déjà réussi à reproduire un diamant. Donc je vais tester de le reproduire. Pour vous, hein. En tout cas, je sais qu'il y a une façon de faire un diamant. Oh. Je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Ah non, je suis... En tout cas. Donc je sais qu'il y a une façon de faire un diamant. Vous pouvez vous amuser avec ça. Vous pouvez mettre des carrés de couleurs. En tout cas, j'espère que vous aimez la vidéo. Si vous aimez ça, abonnez-vous, laissez un like. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, on se revoit à la prochaine. Bye!